Je suis ici, moi, depuis 4 ans. Puis j'adore ça, j'adore le quartier, parce qu'on a tout près d'ici. On a des beaux parcs, on a la maison Frontenac, le coup de pouce pour apprendre. Il a un bon maire qui s'occupe de tenir toutes les rues propres. Et puis j'ai une voisine admirable, pas juste une, toutes mes voisins, je les aime beaucoup, parce qu'ils sont très gentils pour moi. Et puis, moi, j'adore les églises, les structures d'églises. J'aime comment elles ont été faites. C'est des monuments, puis j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aimerais ça même d'acheter une. L'église Saint-Eusèbe de Versailles, c'est tout près de chez nous. Aussi, j'attends les cloches qui nous appellent. Oh, moi, je suis heureuse. C'est juste parce que moi, j'en dirais qu'il y a quelque chose qui se passe dans les églises. Je sais pas quoi. Moi, j'ai comme des. Je viens près de perdre connaissance. Jeune, je perdais connaissance des églises. Puis je me réveillais, j'étais dans la sacristie. Puis les religieux me lavaient à l'eau froide. Puis le curé. Puis là, il a dit à maman, laisse-la à la maison, ta jeune. Ça n'est pas faite pour ça, elle-là. C'est trop dangereux pour elle. À moi, elle a envoyé rester avec le curé aussi. Il m'a voulu m'habituer à tirer les vaches. Il y avait des vaches, ce curé-là. Non, non, moi, je ne vais pas tirer les vaches. Non, maman, je veux pas, mais c'est le curé, maman, t'as fait, j'aime pas. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va chercher en moi, une bibliothèque? C'est vraiment une passion. Le sentiment, c'est que ça me procure un soulagement. Je peux me recueillir dans une bibliothèque. C'est un endroit que j'ai beaucoup de respect, là. Et c'est ça, c'est un endroit sacré. C'est un endroit sacré pour moi, là. Pour les autres, je ne sais pas, là, mais pour moi, oui. Je viens ici chercher des livres. Pour moi, pour mes enfants. Mes enfants aussi viennent ici faire des recherches. Des fois, juste regarder des images. Je pourrais peut-être pas le voyager, mettons, autant que je voudrais, mais c'est les images, là, dans les livres, de toutes places, c'est bien. C'est ça. Un livre, ça te permet de voyager. Vraiment. Disons, on avait commencé à se fréquenter, puis, comme qu'on dit dans le jargon, se fréquenter, puis. Après ça, ben là, moi, je partais pour la Floride. Fait que j'avais laissé les clés de mon logement à Jocelyne. Puis elle s'est entendue qu'elle passait l'hiver ici, elle travaillait. Hein? Puis là, ben, je fêtais mes 60 ans là, au mois de février. Ça fait que lors d'un téléphone, j'ai dit j'aimerais ça que me faire un beau cadeau, que tu viendrais me retrouver en Floride, là, au moins quelques semaines. Ça fait que si t'es capable de t'arranger avec ta patronne à coup de pouce, là, mais j'apprécierais beaucoup ça. Tout oui, était oui. Nouveau. Le voyage, tout était nouveau. J'étais pratiquement jamais sortie du Québec. J'avais été en Ontario, mais même pas aux États-Unis. Et puis l'avion, j'avais jamais pris ça. On vivait heureux à l'air du temps, comme les Gitans. Puis c'est oui. Ça, la chanson aussi, j'y chantais ça. D'où viens-tu, Gitan? Je viens de Bohème. D'où viens-tu, gitan? Je viens d'Italie. Et toi, beau gitane de l'Andalousie. Et toi, beau gitane, d'où viens-tu? Je viens d'un pays qui n'existe plus. Moi, j'ai été 40 ans sans lire l'église à la messe. J'entrais dans les églises seulement pour les mariages que je payais et pour les enterrements, les funérailles, je veux dire. Mais à part de ça, là, j'étais un peu. L'église, mais ça n'a pas toujours été. Ça a été triste le jour de mon mariage à 16 ans. J'avais l'idée de sortir de là-dedans. Puis, oh, moi, j'ai dit, quelqu'un, je suis pris dans ça, cette affaire-là, qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais raison, j'aurais dû sortir avant de 6 ans. Mais je n'ai pas signé, j'étais trop jeune, j'avais juste 16 ans. Et puis, c'est le prêtre qui a tout fait, tout seul. Hein, oui, pour sauver un pauvre un gars qui sortait de prison. N'importe qui, lui, là, pour lui qui sauvait des gars. Hein, mais t'as fait un genre avec de la broche à balle pour la cérémonie. Non, mais en tout cas, c'est ça. Mais là, je suis heureuse d'avoir recommencé ça. Vraiment, là, je trouve que
c'est bon de venir prendre le dimanche faire une petite marche, puis ça me donne le goût de m'habiller, prendre mon verre, et puis rentrer ici, c'est calme et tout ça. Puis je revois les madames qui, tu sais, les madames là, qui travaillent au faubourg. Faut s'écouter, je crois. C'est ça. Faut s'écouter. Tu sais, comme moi, là, je suis dans la trentaine, OK? C'est sûr que je pourrais dire, bon, je vais retourner au cégep. Si, il y en a beaucoup qui diraient, ah, ben là, mon Dieu, t'as un petit peu manqué le bateau, là. Mais pas moi maintenant, non. C'est parce que j'ai changé, puis c'est... Non, je pense que c'est pas ce que les autres pensent trop. C'est un petit peu ce que tu penses de toi qui est important. Peut-être tu vas vivre 20 ans, mais si ces 20 ans-là, là, tu as fait des choses, puis tu as suivi tes idéaux, OK? Ben c'est déjà beaucoup. J'ai le sentiment que c'est maintenant que ça se passe les choses. C'est maintenant qu'il faut que... Hier, on peut pas le changer ce qu'on a fait, OK? Il est trop tard, le passé. Et demain, on ne sait pas. C'est que c'est maintenant qu'il faut travailler sur le présent, tu sais. Mais si tu ne sais pas, ça, c'est pas plus grave. Mais quand tu le sais, c'est l'urgence de faire quelque chose. Mais si tu ne sais pas, s'il n'y a pas un sens dans ta vie, comment veux-tu travailler? Il faut que tu le trouves, premièrement, le sens dans ta vie. Hein? Un petit peu, tu te situes, tu te retrouves, puis tu réfléchis. Ça peut prendre 10 ans, c'est pas grave. Ça peut prendre toute une vie, c'est pas grave. Mais quand tu te retrouves, puis que tu réfléchis et tout, là, puis que tu dessines, là, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est important. Moi, je pense qu'on a besoin de respecter ça. Les gens voudraient qu'on aille vite, mais c'est important aussi de ne pas aller vite parce qu'il n'y en a pas tout le monde qui est fait comme ça pour aller vite. Je ne peux changer, donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence et la sagesse d'en connaître la différence et que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça.